Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 19 Crypto. Sans plus tarder, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à déclencher la petite cloche de notification. Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 19 Crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler de Baby Cake. Pour ceux qui connaissent, ça a été une crypto qui a énormément connu un grand succès cet été. C'est une crypto qui a atteint les 100 millions de market cap. C'est l'une des cryptos qui est l'une des premières à faire des rewards en général. Et bien sûr, en cake. On va dire sa spécificité, c'était de faire des rewards en cake et non en BNB. Mais c'est l'un des pionniers, l'un des plus connus, l'un des pionniers à avoir fait ça. Hein. Pourquoi je vous parle du Baby Cake? Parce que récemment, il y a eu des nouvelles concernant le développeur qui s'appelle Franck. Il a fait une interview via sa chaîne YouTube exactement. On peut voir, attendez, je vais vous montrer directement. Voilà, sur sa chaîne, on peut voir qu'il y a eu une interview il y a 2 mois de ça concernant des nouvelles concernant la migration en V2, l'avenir du Baby Cake et bien sûr certaines informations que je vais vous dire au cours de cette vidéo. Mais juste avant, je vous montre le graphique exactement, ce qui s'est passé. Pour ceux qui ne savent pas, le Baby Cake, voilà, dans le graphique, on peut voir qu'il y a eu un pump exceptionnel. Il y a eu un pump exceptionnel au mois d'août, ça a atteint les 100 millions. Puis ça s'est effondré. Puis c'est remonté vers les 60 millions. Puis ça s'est réeffondré sur le long terme. Et c'est redescendu vers 2 millions de market cap environ. Il y a 2 millions quand même malgré tout. Point de vue holder, on est à 60 691 adresses. C'est une sacrée communauté hein, avec une supply de 100 milliards de baby cake. Bien sûr, point de vue rewards, vous recevez directement du cake. Je vais sur leur site. Là, c'est leur site officiel. Hein. Vraiment bien fait. Je trouve qu'il est sympa le site. Vous pouvez lire le white paper pour ceux qui veulent plus d'informations. Voilà, 3% de cake en rewards, en redistribution, des paiements automatiquement où vous recevez directement du cake à votre adresse. 4% de transactions qui sont liées au marketing. 1% de fees à la vente. Et bien sûr, voilà, la liquidité, elle est log. Et 3% qui sont directement envoyé sur la liquidité de pool, la pool de liquidité. Donc par rapport aux news, ce qu'on peut voir, le baby cake, hop là, je mets ça là. Déjà la première news, c'est qu'il y a des NFT qui vont arriver. Et là, c'est sympa, hein, c'est vraiment sympa. Déjà le logo du baby cake, il est sympa. Donc avec ça, ça pourrait bien pumper hein, pour ceux qui sont fans du baby cake. Ça va de redonner une envie d'investir sur cette crypto parce que cette crypto a réellement connu un engouement énorme. Donc, sachant qu'il y a une grosse communauté avec cette crypto, sur le long terme, ça peut être intéressant. De plus, il y a cette vidéo que vous pouvez retrouver sur Telegram ou encore sur Twitter. C'est Franck, du CEO du Baby Cake, qui expliquait que ils sont en train de faire une migration en V2 pour avoir plus de fonctionnalités pour le baby. De plus, il y aura une création d'une application comme le Saitama, hein, pour ceux qui connaissent le Saitama, l'achat de crypto, l'achat non, l'achat du baby directement via ce wallet-là. Parce qu'il expliquait que c'était un peu compliqué pour les noobs qui connaissent pas comment acheter sur le pancake, avoir un MetaMask, acheter, c'est très compliqué et un process très long. Il expliquait que grâce à cette application téléchargée sur Play Store ou Apple Store, il pourra acheter directement du Baby Cake via cette application-là. Et je trouve ça déjà très bien pour l'avenir du Baby Cake. Et c'est pour ça que ça m'a attiré l'attention par rapport à ça. Je me suis dit, bon, il y a un truc à faire. Pour l'année 2022, c'est une crypto à surveiller. Et il expliquait que grâce à ça, ça pourrait bien pumper. D'un côté, c'est vrai parce que le fait de migrer sur la V2, ça va créer un pump. Et plus le fait d'avoir un wallet par rapport à ça, ça va créer un peu un engouement phénoménal, sachant que voilà, le baby a une grosse communauté. En plus, les gens vont réinvestir et ça va amener d'autres investisseurs et ainsi de suite. On parle aussi d'un stacking.
D'un côté, pour stacker du baby cake, pour avoir plus de rémunération sur le baby. Faut voir ce qui va se préparer, mais ça promet. Excusez-moi. Par rapport à ça, quoi de plus? Point de vue holder, on peut voir que le plus gros holder, il a 50 000 dollars de market cap. Hein. Il y a énormément d'argent qui sont encore sur la V1. Et la market cap, elle est 2 millions de market cap. C'est pas négligeable. Hein. C'est vraiment pas négligeable. Donc, pour ma part, oui, le baby cake à surveiller. À surveiller complètement. À surveiller. Sachant que le prix qu'on avait d'eux, il pourrait bien exploser. Hein. Ça peut faire un engouement, le x10 facilement et le x100, pourquoi pas? Pourquoi pas rentrer dans la cour des grands, hein, comme le Floki ou encore le Shiba? Pourquoi pas, sachant que la communauté est là. Avec cet engouement, on pourra atteindre les 100 000 adresses en market cap. Il expliquait que pour ceux qui achètent sur la V1, il y aura une migration sur la V2, donc ça les impacterait pas et ils sont gagnants. Donc voilà. Voilà par rapport à ça, vous pouvez retrouver directement ces vidéos sur YouTube, car la chaîne, ils ont une chaîne YouTube, ce qui est très professionnel, je trouve. Et pour l'avenir du baby cake, ce n'est que le début. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner et donner votre avis en dessous de la vidéo concernant le baby cake. Allez, ciao, ciao.